Alors chaque salon, c'est devenu un rituel, il y a toujours les déceptions, sélectionnées par Pierre Desjardins et Olivier Pagès. Alors on commence chez Suzuki, où là, les avis divergent, clairement. Complètement, divergent c'est beaucoup, mais moi... Alors aujourd'hui, Pierre, on est chez Suzuki, ouais. Et il y a vraiment divergence d'opinion. Divergence, complètement. Toi, tu aimes beaucoup les Ignis. Ouais, moi, je trouve que c'est une voiture sans permis glorifié. J'aime beaucoup la S-Cross. Et moi, je trouve que le Rustling est horrible. Très bien. Bah écoute, soyons d'accord de ne pas être d'accord. Voilà. Bonjour. Je recherche le stand Alpine, s'il vous plaît. Alpine, on n'aura pas cet orange, mais il est juste un peu ancien. Il n'y a pas, donc il n'y a pas de stand. Non, parce qu'en fait, elle sera commercialisée plus tard. Donc, ils ne voulaient pas la présenter. D'accord. Bon, ok. Ça sera courant 2017. Ok, ça marche. Bon, ok. Tant pis, c'est une déception. J'étais déçu. Alors, on a aussi trouvé une déception chez Ferrari, oui. Oui, alors, c'est pas la 488 Spider, hein, qui est une magnifique voiture. C'est la couleur. La couleur, moi, le vert, ça me perturbe sur une Ferrari. Et la combinaison. Et en plus, les sièges, un rouge, un noir, ça fait un peu kéké. Et moi, le détail qui tue, je trouve, approche-toi. Ce sont ces plombs d'équilibrage qui sautent vraiment aux yeux. On doit pouvoir faire quelque chose de mieux quand même. Hein. Tout est dans le détail. Nous sommes chez Ferrari. Donc Pierre, on est chez DS. Oui, et DS propose maintenant une version totalement personnalisable de sa DS5. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça nous rappelle les grandes époques de l'automobile sur mesure. Et donc, toi, comment tu la choisirais, ta DS5, si elle était chez mesure? Je sais pas, peut-être jaune, avec des jantes vertes, ouais. Et l'intérieur rouge. Vraiment personnalisé, ouais, quoi. Voilà, ouais. Pas vraiment noir sur noir sur noir. Bah non, c'est transparent, quoi. Ouais. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais à Karadziak, on a un spécialiste de la marque Honda, c'est Pierre. Tout à fait, j'adore les moteurs qui prennent des tours, les boîtes de vitesse, super bien, c'est génial, j'adore. Donc, ton avis sur la nouvelle Civic? Ah bah, j'adore les moteurs, hein, ça prend des tours, la boîte de vitesse, tout ça. Et le look? J'adore le moteur, ça prend des tours, boîte de vitesse. Ok, d'accord. Alors, on termine par chez Hyundai, et Pierre, je pense que si on aime le Geek & Touch, ça, c'est pas mal. Ah, c'est une machine à remonter le temps. Hein. On se retrouve sur un parking de supermarché avec les portes qui s'ouvrent comme ça, les grosses jantes, les lumières qui clignotent. Ça rappelle sa jeunesse. Il manque plus que la musique avec les basses. Ouais, ouais, ah, ouais, je l'entends un petit peu là. Ça serait bien. Ouais.